Le Père Noël à la varicelle. Un conte de Guylaine Biondi, illustré par Mélanie Grand-Girard. Ce matin, le Père Noël s'est réveillé avec de drôles de petits boutons du bout du nez jusqu'aux doigts de pied. Des boutons qui n'arrêtent pas de le chatouiller et de le gratouiller. Le Père Noël grommelle « Aïe, 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 je crois bien que j'ai la varicelle !» Il est ennuyé, car c'est ce soir qu'il doit livrer ses cadeaux dans le monde entier. « Il n'y a que Tante Christabel qui serait capable de me soigner, mais elle habite à l'autre bout de la forêt. » Aussitôt, le Père Noël demande aux rennes d'aller chercher sa tante, qui connaît tous les secrets des plantes. Les rennes partent sur le champ. Ils caracolent et bondissent en soulevant des nuages de neige qui scintillent au soleil. Ils ont bien vite trouvé la maisonnette et crient à tue-tête « Mademoiselle Christabel ! Mademoiselle Christabel !» Mademoiselle Christabel sort la tête par la fenêtre. « Nom d'un polichinelle, qui m'appelle ? Ouh, c'est nous, les reines du Père Noël ! Et qu'est-ce qui vous amène ? Le Père Noël a la varicelle, vite, on a besoin de vous !» Ni une ni deux, Mademoiselle Christabel attrape son manteau, son grand sac à dos et monte dans le traîneau. Pendant ce temps, à l'autre bout de la forêt, les lutins chouchoutent le Père Noël. Gros Bonnet, le lutin frileux, l'installe bien au chaud. « Tenez, Père Noël, un gros édredon de plumes et un bon cache-nez !» Les lutins gourmands lui préparent des pâtisseries et un chocolat chaud. « Vous allez vous régaler et reprendre des forces plus vite que vous ne le pensez !» Quant à Turlupin, le lutin farceur, il lui raconte des histoires pour le faire rigoler et lui changer les idées. Entre une bouchée et un éclat de rire, le Père Noël se sent déjà beaucoup mieux. Tante Christabel arrive bientôt. « Bonjour les petits lutins. Bonjour mon cher Noël. Ne t'inquiète pas, je connais un bon remède contre la varicelle. » Christabel prépare une tisane avec des fleurs de pimprenelle, quelques feuilles de citronnelle, une pincée de cannelle et une bonne cuillère de miel. Le Père Noël se régale. Elle est délicieuse ta tisane, Tante Christabel. Tous les drôles de petits boutons cessent de le chatouiller et de le gratouiller. Quelques instants après, ils ont complètement disparu. Et il n'y en a plus un, du bout du nez jusqu'aux doigts de pied. Les lutins sont bien contents que le Père Noël soit guéri. Ils chantent en compagnie de Christabel, et le Père Noël se met à danser la tarentelle dans son pyjama de flanelle. Tralalalalère, Tante Christabel a guéri ma varicelle! Heureusement, les reines sont là pour le rappeler à l'ordre. Père Noël! Père Noël, l'heure du départ est arrivée. Mais c'est vrai, ce soir c'est Noël. Le Père Noël avait presque oublié. Il a juste le temps de se changer avant de remercier les lutins et Tante Christabel. Merci Tante Christabel pour ta délicieuse tisane qui a soigné ma varicelle. Merci les lutins, c'est aussi grâce à vous si je suis de nouveau sur pied pour livrer mes cadeaux aux enfants du monde entier. » Et aussitôt, le traîneau file à travers le ciel pour la grande nuit de Noël.